spectacle. Oui. Vous l'avez aimé? Adoré. Vous avez adoré? Ouais. Quelle image de la femme elle a donnée sur scène? Ben, elle exprimait beaucoup d'émotions. Oui. Par le visage, par les mouvements des bras. Et si on frappe par terre? Et on frappe par terre. Et quelle relation il y avait entre la femme et les hommes qui étaient sur scène? Ben, les hommes faisaient la musique avec la guitare et la femme était emportée par la musique. La femme était, les hommes faisaient la musique avec la guitare et la femme était emportée par la musique. Vous pourriez dire d'autres au sujet de la femme dans ce concert? Est-ce qu'il y a des femmes comme ça à la Réunion? T'as dit quoi? À la Réunion, elles sont comment les femmes quand elles dansent? Ils sont joyeuses. Joyeuses, il y a la joie. Alors que là, c'était quel sentiment plutôt? La tristesse et la colère. La tristesse et la colère, exactement. Tu vois, le flamenco, c'est un art de la révolte, de la tristesse et de la colère. Mais il y avait de la joie aussi un petit peu, ça des fois. Ça dépend des musiques. Ça dépendait de la musique. Bien, je vous remercie. Là, on a un groupe de 4 filles, mettez vos mains. Essayez d'exprimer avec vos mains ce que vous avez ressenti pendant le concert. Allez-y. Quelle image elle a donnée de la femme pendant le concert? Une femme forte. Une femme forte, oui. Déterminée. Déterminée. Pourquoi elle était déterminée? On voyait dans son regard et sa posture, elle était exactement dans le tempo. Elle suivait à la fois le guitariste, mais elle a renforcé plutôt la musique. Oui, oui. Les deux, la guitare est là pour porter la danse. Tu le dis, toi tu le dis avec tes mots. C'est tout à fait juste. Est-ce que vous aviez déjà vu un spectacle de flamenco? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau pour vous? Tout. C'est-à-dire? Moi, j'avais déjà entendu des musiques de flamenco, mais la danse, j'avais jamais vraiment vu ça. Ouais. Et du coup, voilà, ça a été quelque chose de nouveau et j'ai bien aimé. Et l'image de la femme qu'elle donne, comment tu pourrais la définir? Je ne sais pas trop. Comme on a dit, c'est une femme forte et en même temps, comme être danseuse, c'est pas quelque chose de facile. Elle a toujours été déterminée, on ne voyait pas d'hésitation dans son regard. Ouais. Donc oui, une femme déterminée. Comment il était son regard? Est-ce qu'elle regardait un peu en l'air comme ça? Non, elle visait. Elle visait qui? Le public. Le public, avec un œil comment? Qui bougeait ou qui était fixe? Qui était fixe. Qui faisait face. Qui faisait face, oui, c'est un art de face à face, le flamenco. Cette femme, est-ce qu'elle était élégante? Oui. Jusqu'où ça allait? C'était l'élégance, pourquoi? Les tenues, sa posture, ses gestes. Ouais, tout dans le costume et dans les gestes était élégant hein, chez Kika Quesada. Vous auriez un mot à lui dire? Continue. Ça c'est sûr. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. Voilà. Redis-le. C'est magnifique ce qu'elle fait. D'accord. Bravo, merci. C'est mieux ça. Ça, c'était pour vous présenter. Quelle image de la femme elle a donné, Kika Quesada, sur scène? Une personne qui aime son métier. Une personne qui aime son métier. À quoi on le voit? Dans l'expression de son visage quand elle danse. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, son expression, dans le visage? Elle a un petit sourire léger, sans forcément le montrer, mais elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Ça montre. À quoi on voit qu'elle est concentrée sur ce qu'elle fait? Elle a la tête haute. Et elle se laisse pas, comme s'il n'y avait rien qui l'impressionnait, elle reste concentrée sur ce qu'elle fait. Oui. Elle est fière. Elle est fière. À quoi tu vois qu'elle est fière? Quand elle s'arrête, elle a tête en haut. Ça s'appelle le maintien, tu vois, elle a un beau maintien de tête. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous voudriez dire à Kika Quesada? Qu'il faut qu'elle continue comme ça parce que c'est joli ce qu'elle fait. Oui. Vous avez aimé ce concert? Oui. Tout? Oui. Du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Vous connaissiez le flamenco? Oui, un peu. Un petit peu? On l'a fait en musique. Vous l'avez fait un peu en musique, mais vous n'avez jamais vu la danse? Non. Et c'est impressionnant? Oui. Ah bon. Ben bravo Kika Quesada, bravo. Force.
Magnifique.